édition de Jack Lecomte. Dernière lauréate de 24 heures du Mans en GT1, c'était il y a un an avec une Saline. Dernière victoire en GT1 dans l'histoire des séries du Mans, c'était à Zurich pour la finale 2010 de l'Intercontinental Le Mans Cup. Première occasion de l'emporter en GT1. La compétition ne l'a seulement pas la réussi d'abord cette victoire, mais en plus va même pouvoir profiter d'un doublé avec la 50 qui passe justement. Marcel Fessler et Benoît Trémulier qui courent dans la pizzaille pour arriver évidemment jusqu'au premier étage du module sportif et dans quelques instants monter sur le podium et rejoindre pour cela André Lotterreur. Ça c'est vraiment une image très sympa avec évidemment les voitures que nous attendons de façon imminente, mon cher Bruno. Elles vont venir nous rejoindre, elles sont maintenant eh bien, du côté du virage de Mulsanne, les pilotes Audi.